Ndiye Bwana. Nataka kusema mtumishi wa Mungu. Amen. Nous lisons Psaume 139. Tunasoma Zaburi 139. Mstari wa 13 hadi 14. Kama kuna msomi mzuri. Psaume 139. Zaburi 139. Mstari wa 13 hadi 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Amen. Amen. Psaume 71, verset 6. Zaburi. Zaburi. Zaburi 71, mustari wa 6. Psaume 71, verset 6. Zaburi 71, mustari wa 6. Et le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Amen. Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. Jérémie sura ya kwanza mstari wa 5. Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. Jérémie sura ya kwanza mstari wa 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous terminons notre lecture avec Luc chapitre 1er. Du 39e au 44e verset. Mustari wa 39 hadi 44. Luc chapitre 1er. Lucas sura ya kwanza. Du 39e au 44e verset. Mustari wa 39 hadi 44. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. De Changlier Kwaneno la Mungu. Merci beaucoup. Asante sana. Pour les faibles acclamations. Kwa kushangilia ndogo hii. Vous avez acclamé pour moi. Ulionishangilia mimi. Je n'ai pas demandé de m'acclamer, mais acclamons pour la parole du Seigneur. Asante shangilie neno la Mungu. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Nambariki Bwana magharibi ya leo. Pour le privilège qu'il m'offre. Kwa kibali amenipatia. De me tenir encore debout devant l'assemblée des saints afin de parler sur la parole de Dieu la Mungu, et de conduire la prière. Na kuongoza maombi. Mes remerciements au bishop kwa mchungaji, qui a donné ce programme. Aliyepanga mpango huu. Mes remerciements au pasteur
Pasteur Pierrot et toute son équipe des anciens. Na, comme tu as dit Pierrot, na timu yake waze. Le remerciement à toi qui as abandonné différentes activités pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons parler sur la guérison intérieure. Quand on parle de la guérison intérieure, c'est la guérison de l'homme intérieur. La guérison de toutes les blessures intérieures. La guérison de l'âme. Toutes les blessures que l'homme a subies. Dans le profond moi, dans le moi le plus profond, dans le psyché de l'homme. Dans son conscient et dans son subconscient. Toutes les blessures ont besoin d'une guérison. Si ce soir tu es en ces lieux et tu sens que tu as des blessures intérieures, il y a une guérison pour toi. Tu as besoin d'un homme. Chaque famille a besoin d'un homme. Chaque église a besoin d'un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus Christ. Quand lui il vient, il vient pour guérir. Quand il vient, kuja, il vient pour sauver, il vient pour délivrer, fungue, il vient pour réconforter. Le nom de Jésus. Jina Yesu. Esaïe chapitre 61. Isaïe 61. Esaïe 61. Isaïe 61. Verset, le premier verset. Mustari wa kwanza. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Roya Bwana wa milele ni juu yangu. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Kwa Bwana amenipaka nilete habari njema kwa wenye ole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aliniponya, alinituma niponye wale na mioyo inavunjika. Tout celui qui a un cœur brisé. Kila aliye na moyo wenye kuvunjika. Tout celui qui a des blessures intérieures. Kila aliye na vidonda vya ndani. Ce soir. Garibia leo. Il y a une guérison pour toi. Kuna ponyaji kwa ajili yako. Il y a une guérison pour toi. Ponyaji kwa ajili yako. Il y a une guérison pour toi. Ponyaji kwa ajili yako. Car il vient pour guérir ce qui est le cœur brisé. Kuja kuponya wale na mioyo ya kuvunjika. Vous savez, les blessures dans la vie de l'être humain. Unajua vidonda katika maisha ya mtu. En trois étapes. Vina hatua tatu. Il y a la période prénatale. Kuna wakati kabla hujazaliwa. Il y a la période après la naissance, kuna wakati kisha kuzaliwa, et il y a l'âge adulte. Na kuna wakati wakuma, ce que nous parcourons, et napitia, des choses négatives, vitu, ça nous laisse des blessures. Natuatia vidonda. Personne ne peut me convaincre qu'il n'est pas blessé quelque part. Mutu hawezi kunihakikishia kwamba haijaumia fasi fulani. Si tu n'es pas blessé par la, pendant la période prénatale, kama aulumie kabla hujazaliwa, si tu n'es pas blessé après la naissance, kama aulumie kisha kuzaliwa, à l'âge adulte, sona kumana, dans ton parcours, kwenye njia yako, dans ton parcours professionnel, kwenye safari yako ya kazi, il y a toujours quelque part, kuna fasi tu fulani, des mouvements qui blessent, vitu ambavyo vinakuumiza, dans tes familles, dans des belles familles, katika majamaa vizuri, il y a toujours des mouvements qui blessent, kuna vitu ambavyo vinakuumiza tu. Alors toutes ces blessures là, hivyo vidonda vyote, il y a quelqu'un qui est capable de les guérir, kuna mmoja anaweza kuviponya. On prend la période prénatale, nachukua wakati kabla hujazaliwa, la vie commence dans le ventre de la mère. Maisha inaanza tumboni mwa mama. La vie commence dans la grossesse. Maisha inaanza ndani ya mimba. Si y a des médecins au milieu de nous, ikiwa kuna waganga miongoni mwetu, peuvent nous expliquer cela. Tutafsiria hiyo mambo. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, wakati mtoto yuko katika tumbo mama yake, elle est conscient de certaines choses qui se passent dans ce monde. Anazamirika, anazamirika vitu mmoja mama inapitika katika dunia hii. Bien qu'il n'est pas encore né. Hata kama hajazaliwa. C'est pourquoi David a dit, kwa Daudi alisema, dans le ventre de ma mère, toka tumboni mwa mama, je m'appuyais sur toi. Nilikutumainia. Il n'était pas encore né. Alikuwa hajazaliwa. Mais s'appuyait dans le Seigneur. Alikuwa anatumainia Bwana. Je dis à Jérémie avant. Mwambia Yeremia kabla. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Kabla hujaingia mtumbo mama yako. Avant que tu sois sorti de son ventre. Kabla hujatoka mtumbo yake. Moi Dieu. Mimi Mungu. Je t'avais choisi. Nilikuchaguaka. Je t'avais
établi comme prophète des nations. Comme tu es là, Dieu t'avait choisi. Mungu alikuchagula. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Mungu alikuchaguaka. Dieu t'avait établi. Mungu akakushimika. C'est pourquoi les gens, watu, ils te feront la guerre, watakupiga vita, mais ne te vaincront ila pas, parce que kamwe, tu es mis à part. Maana umewekwa kando. Tu es mis à part. Umetiwa kando. Dans le ventre de ta mère. Toka utume mama yako. Cette période-là, iyo wakati, tout ce que la maman fait, yota mama, mama nafanya, avec sa grossesse, na timbo yake, l'enfant subit. Mutoto anaipitia. Si la maman est agitée, ikiwa mama pendant la grossesse, wakati wa mimba, l'enfant est agité. Mutoto pia naye anapitia wakati ya machanganyiko. Si la maman traverse des moments difficiles, des périodes de souffrance, anapitia nyakati ya mateso na magumu, l'enfant souffre. Mutoto pia naye anateseka tumboni. Et la Bible le confirme. Na Biblia yahakikishia. Marie est allée rendre visite à Elisabeth. Maria alitembelea Elisabeth. Dans les montagnes. Kwenye milima. Quand elle est arrivée dans les montagnes, akafika milimani, il a toqué la porte d'Elisabeth. La saluait. Quand Elisabeth a entendu la salutation, elle était dans la joie. Et dans cette image, l'enfant dans le ventre, il était aussi dans la joie. Comme tu es venu dans la salutation, même mon bébé a tressailli. Voilà, gloire au Seigneur. Mais tous ces enfants qui naissent pendant des périodes de guerre, ils naissent blessés. Ils naissent dans le crépitement des balles. La maman souffre avec sa grossesse. Maman a tessé quand la mimba yake. Et on va nous tuer. Batatua. On va nous massacrer. Batatutesa. L'enfant aussi souffre. Bien a tessé quand on l'endage. Ça c'est la période prénatale. Il est né wakati kabla hajazaliwa. La période après la naissance. Wakati yakisha kuzaliwa. Quand l'enfant est né. Wakati mtoto anazaliwa. La maman avait besoin d'un garçon. Mama alikuwa na haja ya mkiano wa wanaume. Que Dieu me donne un bébé. Mungu anipatie mtoto mwanaume. Et l'enfant est né. Na mtoto anazaliwa. C'est une fille. Ni binti. Ah. Oyo. Blessé. À cet âge-là, il est déjà blessé. Analumia kwa wakati. Elle sent qu'elle n'est pas aimée. Na anasikia kwamba hakupendwa. Elle sent qu'elle est entrée dans un monde de haine. Anaingia mulimwengu ya chuki. Dans un monde. Et il y a un bébé comme ça qui est décédé deux semaines après. Quand tu as fait, on le fait avec bien. Donc la maman voulait un garçon. Mama alitaka mwanaume. Mais c'est une fille qui est venue. La binti yakaja. Et quand la fille est venue, wakati binti alikuja, en regardant son bébé, kwa kuangalia mtoto wake, il a vu que c'est un garçon. Akaona kama ni mwanaume. Oh Seigneur, merci, tu m'as donné. Bwana asante ulinipatia. Mais quand il va vérifier le bébé, atakapo angalia mzuri, c'est une fille. Ni binti. L'enfant commençait à être blessé. Mtoto akaanza lumia. Et la maman n'avait pas beaucoup d'affection. Mtoto akumpenda. L'enfant n'a pas senti l'affection de sa mère. Mtoto akuhisi upendo wa mama yake. Deux semaines après, elle est décédée. Akafa. Laisse-moi vous dire une chose. Quand Dieu te donne un enfant, wakati Mungu anakupatia mtoto, qu'il soit garçon ou fille, akiwa mwanaume wala mwanamke, il faut glorifier le Seigneur. Utukuze Mungu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a donné. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a amené. Tu ne sais pas pourquoi Mungu alimleta. Au Centrafrique. Centrafrique huko. Le président de la République. Ulikuwa rais mmoja huko. C'était une femme. Alikuwa mwanamke. En Tanzanie ici. Ah, Tanzania. De la République, uko, une femme. Toi, tu ne connais pas la vie des enfants. Tu ne connais pas l'avenir. Aujou, c'est lui qui connaît, c'est le Seigneur. Ni il connaît pourquoi il t'a donné un garçon. Il connaît pourquoi il t'a donné une femme. Mais il y a des enfants qui sont nés comme ça. Les enfants qui sont nés dans des maisons de conflits. Dans la grossesse, ndani ya mimba, papa et maman ne s'attendent pas. Mama hawakubaliani wasikilizane. Ni problème, des vita kutukana na wewe, bijama yako, wazazi yako. Wewe wewe. Cet enfant souffre dans le ventre. Teseka tumboni. Même après naissance. Kata kisha kuzaliwa. L'enfant est né. Papa est toujours en conflit avec sa femme. Iko muvita na bibi yake. C'est pourquoi. Ndio maana. La parole de Dieu. Jamani la Mungu. Nous amène la paix. Tuletea amani. La paix dans le cœur. Amani moyoni. La paix dans la famille. Amani jamani. La paix dans le couple, amani et la ndoa, paix dans l'église, amani que la paix du Seigneur entre dans ta famille. Alléluia. Amen. Nous devons vivre dans la paix. Souvent nous blessons les enfants. Vous avez un bébé, vous faites que vous chamaillez. Vous blessez cet enfant. Dans son amour, dans son cœur, dans son intérieur, dans son psyché, il est blessé. Après naissance. Qui s'est accusé? Tous ces enfants. Oh, la maman laisse l'enfant, laisse son bébé à la maison. Mama na chaka mtoto wake nyumbani. Elle va travailler. Anda fanya kazi. Et il rentre à 19h. Anarudia saa 10 saa 1. Ce bébé s'est blessé.
Même si vous laissez le biberon, si vous venez le faire têter, vous avez quitté le matin, et vous rentrez à 19h. L'enfant a besoin de sa mère, il tourne de gauche à droite, c'est un blessé. Les enfants qui ne voient pas leur papa, l'enfant est né, il est parti à Shabunda, il a fait 7 mois, l'enfant ne voit pas son père, baba, et quand il rentre, il fait 3 jours, il repart encore. Cet enfant est blessé. Ce sont des enfants qui sont blessés. Vous comprendrez comment les gens ont beaucoup de blessures. Ils ne savent pas comment ils ont des blessures. Tu vois, les enfants qui ne mangent pas bien. Donc un enfant qui ne mange pas bien. Des familles où des gens ne mangent pas bien. Toute la journée, les enfants ont passé la journée à faim. Et c'est le lendemain qu'ils vont manger la bouillie. Ces enfants sont blessés. Depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Et c'est le voisin. On est en train de préparer un poulet. Et chez eux, ils n'ont rien mangé. Ils sont blessés. Un enfant comme ça, quand il va grandir, il trouve du travail. Il va commencer à manger sans contrôle. Ataanza kula bila kuangalia. Il va manger de guetre. Anakula guetre. Mange. Il récupère ce qu'il n'a pas mangé quand il était enfant. Anarudisha. Maintenant il a des possibilités. Alors ça yote nyali alipoteza kisha kwa kafika. Il va tomber malade, ça va être diabète. Jo otona unapata makansa ma diabète. Ni maladie de nouveau riche. Ma ugonjwa ya watatu wa mpya. Pauvreté dans une misère la plus noire. Masikini kabisa. Maintenant qu'il a commencé à goûter au commence à beaucoup manger. Kula sana. Et le corps na mwili reçoit de nouvelles choses. Il a pas vu tout bipi, a vu tout bien mupia. Qui n'a pas reconnu depuis plusieurs années. Akujua kamia kana mia. Pendant que le corps s'adapte. Wakati mwili ngata ta kujipata. Pour accueillir de nouvelles nourritures. Chakula zipi. Pendant que le corps se bat. Wakati mwili ngata piga na vile. C'est ça des diabètes. Ndio diabète na kuya. Ce sont des cancers mais. Est-ce que vous me comprenez? Un enfant qui a grandi dans la souffrance, dans la misère. Même du thé. Je vous dis, il y a même des familles où les gens ne boivent même pas du thé. Et dans cette misère-là, quand il commence à toucher les dollars, il va aussi dans des restaurants des patrons. Sa voiture là-bas. Commence aussi à prendre les scores. Commence aussi à prendre les primus. Commence à prendre Valmadour. Commence à prendre les Muscador. Maintenant les Jimmy. Maintenant les coqs commencent à se débrouiller pour recevoir. Ce sont des maladies. Si quelqu'un a grandi dans la misère, il a grandi dans la souffrance, et que Dieu le bénit, il faut accepter la vie telle qu'elle est venue. Ne cherchez pas à récupérer les choses. Ça va te compliquer encore davantage. Accepte seulement. C'est pourquoi vous voyez les Indiens, les Coréens, ils font plusieurs années. S'il mangeait les poissons salés, les zikolis, c'est sa mère. Même s'il devient PDG d'une société, le poisson salé sera sur la table. Et il garde son corps comme ça. Mais quand il y a ces mains de douleur, Valmadour. Vous voyez quelqu'un qui avait seulement un seul pantalon. Une seule robe. Quand il lave ça, il met au soleil. C'est un blessé. Il est blessé. Celui-là, quand il va trouver du travail, il peut aussi avoir de l'argent. C'est Batingazi. Donc la maison pleine d'habits. Les habits commencent à avoir de l'humidité. Il est en compétition. Accepte la vie telle qu'elle est. Si elle n'était pas venue avant, kambele, et Dieu te l'a accordé, gloire au Seigneur. Ne te bats pas pour ça. C'est un blessé. Il a besoin d'une guérison.
Donc vous voyez, de certaines personnes, les enfants n'ont pas à manger. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a un homme de Dieu aux États-Unis. Il s'appelait Damon Shankarian. C'était un homme d'affaires. Il est parti à l'église. Il a trouvé les vieillards. Et les enfants. Waze na watoto. Donc les vieillards. Waze. Avec les petits-fils. Na wato, na wajuku. Mais la jeunesse. Lakini vijana. Absent de l'église. Ah, bah, pourquoi, Moukanis? C'est moi le vieillard. Waze et tout. Ah, il a demandé où sont les jeunes? Vijana, c'est moi le vieillard. Waze et tout, Nawatoto. Les jeunes, tu ne verras pas à l'église. Va au karaoké. Ils sont au karaoké. C'est où tu vas les trouver. Demain, Jean-Karian est allé au karaoké. Il a trouvé des gens là-bas. Oh. Et il a commencé à évangéliser dans les karaokés. Il a commencé un mouvement. Un mouvement. Il appelle Full Gospel Business Men's Fellowship. Il a été Full Gospel. Full Gospel, voilà. Yawa. Full Gospel Business Men's Fellowship. Donc les hommes d'affaires du plein évangile. Donc, ça commençait dans les karaokés. Il est allé chercher les gens dans les karaokés. Aujourd'hui, Léo. J'ai un ami colonel. Colonel Rafik. Il était ivrogne. Lui, il pouvait aller rester dans la boisson. Pendant 3 jours, il fait que boire, rentrer ivre à la maison. Angiendaka kulewa, à la fin de la sikota tu kana kunywa anarudia mulevi nyumbani. Quand il s'est converti, alipo okoka. Dieu lui a donné le fardeau. Mungu akampatia mzigo. De prêcher aux ivrognes. Yakuhubiri walevi. Dans les karaokés. Ndani ya makaraoke. Aller chercher les évangélistes. Natafuta kuwahubiri huko. Un jour, il m'avait intéressé. Sikumjaka kaniambia. C'est une bonne vision. Fani maone mazuri. Sommes allés prêcher avec lui. Tukaenda kuhubiri naye. Quand quelqu'un est ivre. Lazima mtu analewa. On lui donne un traité. Napatia barua. Un traité comme ça, bah ouais, il met dans, on met ses mains dans la poche. Il parle de Jésus t'aime. Yes, Dieu t'aime. Tu dois te convaincre. Et quand l'ivresse va terminer, il va lire ça. Attention. Si quelqu'un est encore bien, il parle un peu de Jésus. Quand nous sommes allés voir les gens dans les karaokés, j'ai trouvé des blessés. Quand tu vois quelqu'un, il est assis comme ça, on a mouton, on est trois filles là-bas, bah, ben, trois filles là-bas, il est au milieu, c'est un blessé, il pense qu'il sera guéri avec ça, il n'y a pas la guérison là-bas, la guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, yeah, ça c'est Satan qui a enfermé les gens là-bas, pendant que les gens, c'est tiraille dans les églises. Les gens meurent dans les karaokés. Les gens meurent dans les péchés. Pendant que les gens se critiquent, les gens meurent. C'est le moment de la bonne parole. La bonne parole, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Léo. Vous connaissez la ville d'Éphèse. Apôtre Paul a beaucoup travaillé à Éphèse. Il a beaucoup travaillé à Éphèse. Même quand il était en prison à Rome, il écrivait des lettres à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, à l'Éphèse, il n'y a aucune église. Ce sont des mosquées, ce sont des musulmans. Aucune église. Si vous voulez connaître Éphèse, c'est la Turquie. C'est ça, Éphèse, la Turquie. Il y avait une inondation là-bas passée. Aucune église. Ce sont des musulmans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de disciples. Ce sont les disciples qui accompagnent l'évangile. Ce sont les disciples qui continuent à témoigner, à défendre. S'il n'y a pas de disciples, l'évangile sera éteint. C'est pourquoi Jésus savait. Il dit, allez partout, toutes les nations. Allez faire toutes les nations, mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission de l'Église. En dehors de ça, il n'y a pas une autre mission. Faire les nations les disciples. Faire les nations les disciples, c'est quoi? Les disciples ressemblent au maître. Quand on fait les nations les disciples, donc toutes les nations vont ressembler à Jésus-Christ. Demande à ton voisin ce que tu ressembles à Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire, hein, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais quelqu'un peut dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le diable. Ameona shetani. Tout étant dans l'église, akiwa kanisani, dans l'esprit du diable, yuko na roho ya shetani. Il va te faire des choses. Anafanya tu bitu. Tu vas pleurer pendant un mois. Utalia muda wa mwezi mzima. C'est un blessé. Ameumia, ameumia. Nous vivons avec des blessés. Tunaishi na walioumizwa. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur Jésus. Mais il y a une guérison pour toi ce soir. Kuna uponyaji kwa ajili yako magharibi ya leo. Nous voyons un homme dans la Bible. Tuna mtu katika Biblia. Caïn. Caïni. Caïn c'était un blessé. Caïn alikuwa mtu aliyeumia. Il était blessé. Aliumia. Quand il était blessé, alipoumia, c'est lui qui est blessé. Yule anayeumia. Il va aussi blesser les autres. Ataumiza wengine. Tous les gens qui blessent les autres sont des blessés. Wote wanaoumizana humu ni wale wanaoumia. Caïn était blessé. Caïn aliumia. Genèse chapitre 4. Mwanzo sura 4. Premier verset. Mustari wa kwanza. Adam connut Ève sa femme et la elle a conçu et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des prémices, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche sur la porte et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Cependant, Caïn adressa des paroles à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn s'était un blessé. Caïn alikuwa ameumia. Faites attention avec un blessé. Fanya angalisho na mtu analumia. Si vous vivez avec un blessé. Ukishi na mtu analumia. Faites attention. Fanya angalisho naye. Il y a des blessures. Kuna vidonda. Que nous causons nous-mêmes. Ambapo tunajipatia wenyewe. Causées par nous-mêmes. Vidonda tunajipatia wenyewe. Causées par toi-même. Vidonda umejipatia mwenyewe. Et il y a des blessures causées par les autres. Vidonda ambavyo watu wanakupatia. Caïn il s'est blessé d'abord lui-même. Caïn alijiumiza mwenyewe. Parce qu'il était charnel. Maana alikuwa wa kimwili. Il était charnel. Alikuwa kimwili. Et il a commis sept péchés. Na akafanya dhambi saba. Les sept péchés de Caïn. Zambi saba za Caïn. Parce qu'il était charnel. Maana alikuwa kimwili. Eh. Ya kwanza. Caïn il adore Dieu selon sa propre volonté. Caïn anamwabudu Mungu kwa mapenzi yake mwenyewe. Quand nous nous approchons de Dieu. Naposogelea Mungu. Dieu a des principes. Mungu ana kanuni zake. Qu'il a établi. Alizoshimika. Pour l'adoration. Kwa maabudu. Comme lui, il était blessé. Ici, alikuwa analumia. Il voulait adorer Dieu. Alipenda abudu par Mungu. Sa volonté. Kwa mapenzi yake. Donner une offrande à Dieu. Patia Mungu sadaka. Qui n'est pas agréable. Ambayo ikubalike. C'était un blessé. Alikuwa ameumia. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce qui ne veut pas. Hawezi patia mtu kile kenye hapendi. Gloire au Seigneur. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Quand je termine à prêcher, je descends aux escaliers. Une maman m'offre une jupe. Jupe. En tout cas, papa, j'étais béni par le message. Libarikiwa na ujumbe. J'ai une offrande. Sadaka.
Vous savez, l'évangile sera éteint si on ne fait pas de disciples. Les gens font beaucoup de choses au nom de l'évangile. Les gens font des désordres au nom de l'évangile. Les gens font des prières, des cérémonies, des pratiques au nom de l'évangile. La Bible est simple. Si nous allons faire les disciples, nous serons des bons chrétiens. Tous ceux qui détournent l'argent de l'État à Kinshasa, ils vont dans les églises. Tous ceux qui détournent l'argent de l'État qui puissent dans la caisse de l'État, ils sont dans les églises. Il y a des Anglicans. Ce n'est pas l'évangile. Prier pour les gens. Les laver avec de l'eau salée. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est le fétichisme spirituel. Je vous ai dit, un professeur de l'université au Canada. L'université de Québec. Au Canada. Il donne cours aux blancs. On priait avec un frère à Kinshasa. Il est devenu ministre. Alors quand il est devenu ministre, il dit, je viendrai témoigner dimanche à l'église. Mon offrande d'action de grâce. Il est venu dimanche pour témoigner et donner l'action de grâce. Il a amené la fanfare. La fanfare est venue. On a prié, on a prêché tout. Le moment de donner maintenant les conseils. La fanfare devait jouer. Nous avons la fanfare. Nous avons donné deux chansons. Et quand la fanfare a commencé à chanter, dans l'église, une maman est remplie. Alléluia. Tu es rempli avec des bouts congolais. On a toujours des bouts congolais, maman. C'est le Saint-Esprit dans les bouts congolais. C'est blessé. Alléluia. Voyez tous les gens qui dérangent les gens dans la prison. Ils sont blessés. Alléluia.
On prie, tout ce qui tombe, tout ce qui tombe dans la prière, ce n'est pas seulement des démons, il y a aussi des blessés. Il est tellement blessé, il a des blessures. Et quand on prie, il tombe. Vous commencez à dire, sors au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon là-bas. Des blessures intérieures. Un blessé, il peut se faire prophète. Anza ko difa nabi. Un blessé peut se faire prophète. Mutu bana lumia anza kwa nabi. Et quand le prophète lui son, sa prophétie c'est mal les péchés zambi. Wakati unatabiri yeye ni zambi tu les péchés. Quand il se met chafuka na zambi. L'église est souillée dit par les péchés. Vous croyez que c'est Dieu qui passe des blessures. Ona na Mungu anasa kama individu na ile kama msemesha. Un blessé a beaucoup de problèmes. Quand il adore Dieu selon sa volonté. Ça, c'est le premier péché de Caïn. Le deuxième péché de Caïn, il est en colère contre Dieu. Il s'est mis en colère contre Dieu. Et Dieu l'a conseillé. Pourquoi tu es en colère? Tu fais bien. Tu relèveras ton visage. Et si tu fais mal, le péché sur la porte. Il domine sur lui. Il faut dominer sur le péché. Un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui domine sur le péché. Troisième péché. Il refuse d'offrir un sacrifice. Pour le péché. Anakatala kutoa sadaka juu ya zambi. Abel a sacrifié un animal. Abeli alitoa nyama. C'est l'image de Jésus qui est mort qui a versé la sang pour le péché. Akamwaga damu katika zambi zetu. C'est ça l'offrande. Iyo ndio sadaka. L'offrande suprême. Sadaka ya kubwa kuliko zote. Il a versé son sang. Akamwaga damu yake. Pour que je sois sauvé, que tu sois sauvé. Ili wokolewe na mimi niokolewe. On appelle ça sadaka ya ukombozi. Wanaita l'offrande de la délivrance. J'ai prêché quelque part. Nikahubiri fasi moja. Ils ont 9 paniers des offrandes. Biko na vitunga 9 za sadaka. Et dans ces paniers, na mozile vitunga, kuna moja wanaita pour les salis, pour les rachats. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu pour être sauvé? Utatoa nini wewe Mungu akokoe? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu pour les salis, pour les rachats? Qu'est-ce que Mungu akokoe? L'offrande de ukombozi, c'est le sang de Jésus Christ. Sadaka ya ukombozi ni damu ya Yesu Kristo. Il a donné une offrande qui n'est pas agréable à Dieu. Akatoa sadaka ambayo ipendeze Mungu. Quatrième péché de Caïn. Zambi ya aina ya Kaini. Il a tué son frère. Aliua ndugu yake. Voilà, quelqu'un qui a tué son frère. Mtu mwenye aliua ndugu yake. Il aura pitié de toi. Atakuhurumia kwa wewe. Son propre frère, même père, même mama mwema, baba mwema. Un blessé est très dangereux. Mtu mwenye analumia yuko mbaya sana. Un blessé, il est prêt à tuer. Mtu mwenye analumia anaza ua. Un blessé, il est prêt à tout faire pour te nuire. Un blessé, il est prêt à témoigner des choses sans pitié contre toi. Il peut témoigner des histoires. Et tout le monde commence à taire à cause de ses blessures. Caïn était blessé parce qu'il était charnel et il a commis les péchés. Mais ses blessures, il a chargé sur son frère. Ils étaient à deux, il a chargé sur son frère. Il a tué son frère. Il y a quelqu'un qui a échoué. Et quand il a échoué, au lieu d'aller vers Dieu, il va retourner sur toi. Il te fera des problèmes. Tout celui qui a réussi, il est la cible de ceux qui ont échoué. Anakua si les gens ont shindua, échoué, ce n'est shindua, pas pour toi. Yako, ils ont échoué pour eux-mêmes. Mais ils te combattront à cause de leurs échecs. Mais tu as une promesse. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Quelqu'un qui est blessé de lui-même, il se retourne sur toi. Abel était un homme calme. Abel était un homme gentil. Abel était un homme spirituel. Caïn avec ses erreurs, il s'est embrouillé avec ses erreurs, ses péchés. Il s'est retourné sur son frère. Il a tué le meurtre. Tout ce que vous entendez parler, poison, quelqu'un qui est blessé, il pense que tout le monde ne l'aime pas. Même quand nous sommes à l'église, après la prière,
bien avant la prière, quand tu vois quelqu'un est toujours seul, il ne veut pas être avec les autres, il ne veut pas être là où il y a les autres, il est toujours certain blessé, il faut l'approcher, lui montrer l'amour de Dieu pour amener la guérison dans son cœur, il faut prendre la main de Dieu et l'amener dans le cœur pour aller guérir la blessure. Un blessé très dangereux. Un blessé a un mauvais cœur. Un blessé contrôle les autres. Si tu vois quelqu'un, il veut connaître tes problèmes. Même si tu vois parler avec une maman, qu'est-ce que cette maman te disait? Ça, c'est un blessé. Pourquoi elle veut savoir ce que vous dites? C'est un blessé. Il te voit parler avec un papa. Ah non, il y a le baba. Où le baba? Le papa là, qu'est-ce qu'il te disait? Pourquoi tu veux savoir ce qu'on parle? Ce sont des blessures. Un blessé, quand les gens parlent, c'est contre lui qu'on parle. Mais il veut savoir ce qu'on parle. Il veut contrôler, contrôler. Et les blessures, souvent, amènent la sorcellerie. On t'appelle au téléphone. Alors, oui, allô? 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 Ah, ok, ok. Allô, oui, ça va. Quand tu finis à parler, dis. Ça va, ça va. Tu parlais avec qui au téléphone? C'est un blessé. Il veut contrôler. Et c'est aussi un symbole, c'est un signe de la sorcellerie. Vous savez? Caïn a tué son frère. Caïn a liouyaki. Parce qu'il avait la colère. Ça va, le quoi, Nassira? La colère. Là, dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil Jua ne se couche sous votre colère. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui est en colère. Même ses prières, ce sont des prières de colère. Seigneur, tous ceux qui m'ont créé des problèmes au bureau, qu'ils meurent. Toi aussi tu as créé des problèmes aux autres. Nawaye oliumba nawaye problème kwa wengine. Si eux aussi prient. Na wakiomba nabo. Mbona ma créé des problèmes? Mbona na akufe, akufe. Qui va rester vivant? Na natabakia mzima. Jina la Bwana libariki. Ah, Seigneur Jésus. Je vous ai toujours dit ça. Na bien grâce kwa hivi. À Kinshasa. Kinshasa. Les gens qui sont dans cette rangée ici. Batu wenye wiko kwenye hii rangée. Dans la même rangée. Hii rangée. Dans la même église. Écoute la même prédication. Basikia mabili moi. Au moment de la prière. Saya maombi. L'autre est tenté de prier. Wiko naomba. Seigneur. Bwana. Que mes ennemis meurent. Na deux ans wakufe. Que mes ennemis meurent. Deux ans wakufe. Et celui qui est là dit. Na mwenye wasema. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Bila nguvu kwa jina la Yesu. Dieu va écouter qui? Sasa Mungu atasikia nani? C'est celui qui tue les autres en prière. Mwenye naua watu maombi ya dosia. Ils sont des blessures. Les gens qui sont blessés, même quand ils lisent la Bible, la Bible c'est une parole qui amène la guérison. Quand vous avez des problèmes, allez vers la parole, commencez à lire la Bible avec un esprit de prière, vous aurez la guérison. Gloire au Jésus. Vous savez, Caïn. Il a tué son frère parce qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Il ne peut pas tuer. Quand il a tué, toi aussi tu vas mourir un jour. Et la plupart des gens qui tuent, ils regrettent après avoir tué. Il ne connaissait pas Dieu. Vous savez, il faut avoir une belle image de Dieu. Si vous annoncez Dieu a un blessé. Ukitangazia Mungu mtu mwenye alisha lumia. Dieu lui amène la guérison. Mungu anamletea uponyaji wa ndani. Mais Dieu est mal présenté. Ila Mungu anaonesha vibaya. Les gens n'ont pas une belle image de Dieu. Watu hawana mfano mzuri wa Mungu. Suivez le prédicateur qui se promène avec des baffles. Sikia babiri wenye wanatembeaka na mabafle. Soit machinji. Machinji. Soit au fer rouge. Mutenda janam. Vous irez en danger. L'Éternel va vous jeter dans la géhenne. L'Éternel va vous mettre dans la géhenne. C'est ça l'image de Dieu vraiment. Est-ce que Dieu est là pour jeter les gens? Est-ce que Dieu est là pour jeter les gens? D'abord, l'enfer n'est pas créé pour les hommes. L'enfer était créé pour Satan et ses acolytes. Et ce sont les hommes eux-mêmes qui choisissent d'y aller. Dieu
Mungu aime que les gens soient sauvés. Anapenda watu waokolewe. Dieu a tant aimé le monde. Maana Mungu alipenda ulimwengu. Il a donné son fils unique. Akatoa mwana wake wa pekee. Afike kikokwata lui. Asipotee. Qu'il ait la vie éternelle. Awe na uzima wa milele. Qu'il ait la vie éternelle. Awe na uzima wa milele. Qu'il ait la vie éternelle. Awe na uzima wa milele. C'est ça Dieu. Ndio njo Mungu ule. Dieu c'est l'amour. Mungu ni upendo. Dieu n'est pas la méchanceté. Mungu haiko ukali na ubaya. Quelqu'un qui a une mauvaise image de Dieu. Mtu mwenye iko na mfano mbaya wa Mungu. Dans ses blessures. Mungu avidona vyake. Il aura une mauvaise relation avec Dieu. Et quand il a une mauvaise relation avec Dieu, il aura une mauvaise relation avec les autres. C'est pourquoi vous trouvez les gens dans l'église. Ils saillissent pour rien. Parce qu'ils ont une mauvaise relation avec Dieu. Celui qui connaît Dieu ne peut pas haïr son frère. Comme Dieu est amour, l'amour que tu as reçu de Dieu, il faut le donner aux autres. Quand Dieu t'a donné, il t'a aimé. Tu n'as rien fait. Tu dois aimer aussi les Benda autres. Wengine pia. Les gens ont une mauvaise image. Watu kwa mfano mbaya wa Mungu. Jina la Bwana libariki. Quand nous venons vers Dieu, il nous fait du bien. Atufanyia mazuri. Nous étions dans le péché. Tulikuwa muzambi. Il nous a sauvés. Akatuokoa. Nous étions malades. Tulikuwa wagonjwa. Il nous a guéris. Akatuponya. Nous avons des blessures. Tuna vidonda. Il guérit. Anaponya vidonda vyetu. Vous blaguez avec Dieu. Vous êtes en jeûne. Vous pensez que vous pouvez blaguer avec Dieu. Dieu est fâché. Si Dieu est fâché, toi, tu peux rester là, toi. Si seulement Dieu s'est fâché. Dieu te demande une chose. Répands-toi. De tes péchés. Abandonne les péchés. Et viens vers moi. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu. L'a poussé à envoyer son fils. Son fils unique. Il n'a pas épargné. Il a envoyé pour moi, pour toi. Caïn a tué. Aliua. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mana akujua Mungu. Il avait une mauvaise relation avec Dieu. Alikuwa na mbaya na Mungu. Et quand tu as des problèmes avec les autres, na wakati kuna shida na watu wengine, cherche d'abord à découvrir s'il y a quelle relation avec Dieu. Kujua uko na uhusiano gani na Mungu. Uliza jirani yako, s'il y a quelle relation avec Dieu. Ton voisin, uko na uhusiano gani na Mungu. Dieu est amour. Mungu ni upendo. Ceux qui planifient la mort contre toi. Wanao panga mauti kwa ajili yako. Ceux qui planifient des mauvais complots contre toi. Panga njama zibaya. Ceux qui planifient des mauvais projets contre toi. Wanao panga zibaya zidi yako. Toute arme qui sera lancée contre toi sera sans effet. Itakufanikiwa na kila ulimi. Qui se révélera à justice contre toi, tu la condamneras. Utahukumu. Parce que Dieu est amour. Maana Mungu ni upendo. Dieu est avec toi. Dieu est amour. Et comme Dieu t'a aimé, comme Dieu nous a aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu est amour. Là où il n'y a pas l'amour, c'est là où il y a les poisons. Les poisons circulent par manque d'amour. Les assassinats circulent par manque d'amour. Là où il y a l'amour, on dit upendo furaha amani. C'est ça le slogan des chrétiens. L'amour, la joie et la paix. Upendo furaha amani. Caïn s'est livré dans un combat inutile. Caïn a gagné mon vita yana maana. Qu'est-ce qu'il a gagné dans son combat? Al fait ni vita yake. Quand il a tué son frère, qu'est-ce qu'il a gagné? Al fait nini? Un combat inutile. Vita des bure. Fois nous nous engageons dans des combats difficiles. Dans des combats inutiles. Chaque combat tu es dedans. Chaque combat tu es dedans. Vita condamné. Vita condamné. Des combats, des combats inutiles. Il y a des combats même si tu gagnes. Vita hata ukishinda. Tu vas rien présenter à la famille. Auta patia jamaa kitu. Que voilà, j'ai combattu. On a nilipigana. Rien, c'est des combats inutiles. Ni vita yana maana. Moi si quelqu'un me combat, même s'il peut me gagner, il va gagner quoi? Atashinda nini? Il va gagner quoi? Atashinda nini? Lève ta main, lève ta main. Dis à ton voisin, acha ma vita inutile. Arrête de combattre des inutiles. Il faut sélectionner les combats. Il faut s'engager dans un combat. Tu sais, si je gagne, je vais présenter à ma famille. Je vais présenter à mes enfants. Je vais présenter à mon épouse. Je vais présenter à mon mari. Mais des combats inutiles là, même si tu gagnes, tu vas présenter quoi? Ce sont des blessures. Il y a des gens qui aiment toujours des réunions. Des réunions pour nuire, pour faire mal, pour satisfaire leur ego, pour satisfaire leur cœur méchant. Des combats inutiles. Blesse les autres. Quand tu vois quelqu'un à l'église, laisse-le tranquille. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu chercher Dieu. S'il a des problèmes, Dieu va s'occuper de lui. Dis à ton voisin, laisse-moi tranquille.
Dis-lui, laisse-moi tranquille. Tu vois quelqu'un à l'église, il ne vient pas pour toi. C'est Dieu qui l'a appelé. Et s'il a des problèmes, Dieu va s'occuper de ses problèmes. S'il a des blessures, Dieu va les guérir. S'il a les péchés, Dieu lui-même va les pardonner. Il va l'aider à les abandonner. Tu vois les gens qui aiment toujours taxer les autres. Les pécheurs sont des pécheurs. Tout ça, c'est là. Les pécheurs. Et maintenant, Dieu les regarde. Il a tout un tempo de péché. Et lui, il oublie de se regarder. Il regarde les autres. Et toi, quand on t'acquise du péché, demande pardon. Et abandonne ça. Dieu va te pardonner. Il y a déjà, même si Dieu a pardonné. Attends, sa mère. Lui continue toujours à dire non. Il avait fait ceci. Il avait fait. Tu dis, c'est quand? On se voit, quand tu gagnes? Je t'avais en 98, quand on mettait les frères, tu te rappelles du péché. Est-ce que tu connais Dieu d'abord? Tu connais Dieu? Tu ne connais pas Dieu? Ah, Dieu a déjà pardonné. Il a déjà oublié. Quand tu gardes ça. Même quand tu vois les frères. Attends, Ndougou. Il chante, il saute. Il avait fait. C'était quand, en 98. Tu es blessé. On a besoin d'une guérison. On a été à Tchoukopona. Il ne faut pas blesser les autres. Quand tu parles avec un blessé, on a pongé dans ton lumière. Quelqu'un qui a des problèmes. Il a des blessures. En avidonda. Tu dis papa. Asa baba. J'ai des problèmes. Nashida. Quel problème? Shida gani? Écoute, écoute. Pendant qu'il te parle, ton téléphone sonne. C'est moi qu'on a lié. Pardon. Allô? Allô? Tu es devant un blessé. Quand il vient vers toi, il sent que tu as des solutions à ses problèmes. Tu laisses ses problèmes. Tu les blesses encore davantage. Tu fais passer encore les couteaux dans les blessures. Il voit que tu les sabotes. Quand on a mon lumière, on a mon zarao. Est très important plus que son problème. Tu es en face de quelqu'un qui a des problèmes blessés. Et quand toi de ton téléphone. Concentre-toi sur lui. Musikilize. Il pense vraiment que tu t'intéresses à lui. Musikia et que tu es prêt à l'aider. Tu vas le guérir. Aujourd'hui l'église est devenue une armée qui achève ses blessés. On les remplace. Mais Jésus nous a amené la guérison. Que Dieu guérisse ton cœur. Partout où tu es passé. Toutes les blessures causées par toi-même. Causées par les autres. Que le Seigneur te guérisse. 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 Il y a certaines maladies que nous avons. C'est causé par les blessures. Quelqu'un qui est blessé. Même si le médecin lui procure. Qui des produits, c'est difficile d'avoir la guérison physique lorsque le psyché est blessé. Je sens la force de Dieu au milieu de nous ce soir. Je sens le Saint-Esprit guérir le cœur des gens. Je sens le Saint-Esprit annoncer la guérison. Même si tu as des problèmes, oublie ça. Appelle Jésus dans ton cœur. Il guérit. Anaponya zaidi ya waganga wa dunia. Tasoma mwimo kwa kuomba kidogo. Alléluia, alléluia. Pour mettre debout pendant quelques instants. Tasoma mwimo kwa kuponya. Et demander, implorer la main de Dieu. Tusi mkono ya Mungu. Implorer la guérison intérieure. Tusi uponyaji wa ndani. Tout celui qui est blessé. Kila aliyeumia. Dans son intérieur. Ndani yake. Il y a une guérison pour toi ce soir. Uponyaji kwa ajili yako magharibi ya leo. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, oh, amen. Alléluia, oh, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Yesuas alisa, amen. Amen. Azalisa, amen. Azakosa, amen. Amen. Alléluia, amen. Yesuas alisa, amen. Azalisa, amen. Azalisa.
ensemble. Oh, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh, amen. Alléluia, amen. Oh, Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele zako. Nimefungua moyo wangu. Nimefungua moyo wangu. Unisamehe. Unisamehe. Kwa dhambi na makosa. Dhambi na makosa. Niliyoyatenda. Niliyoyatenda. Kaniachia vidonda. Kaniachia vidonda. Unisamehe. Unisamehe. Katika. Katika. Sema Seigneur. Seigneur. Kila vidonda. Kila vidonda. Vya moyo. Vya moyo. Kila vidonda. Kila vidonda. Vya ndani. Vya ndani. Nimevipata. Nimevipata. Kwa ajili yangu. Kwa ajili ya wengine jioni ya leo Seigneur guéri 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 utaomba Bwana kutunze na kuponya vidonda vya ndani que Dieu te guérisse des blessures intérieures guéri guéri tu guéris nos blessures Seigneur ponya vidonda vya ndani leo tumekuja mbele zako tunaomba guérison intérieure à travers notre parcours. Tunaomba guérison intérieure. Prions l'intérieur de la guérison intérieure. Guérir, guérir, guérir. Guérir, guérir, vidonda vya ndani Bwana. Utuponye. Utuponye kwa vidonda. Utuponye la vidonda vya ndani. Utuponye la vidonda vya ndani. Guérir nos blessures intérieures. Alléluia. Asante Bwana. Merci Jésus. Alléluia. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Panda tua kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Seigneur. Seigneur. Nina shida. Nina shida. Nina probleme. Na problem. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Probleme ya kazi. Probleme ya kazi. Probleme ya pesa. Probleme ya pesa. Probleme ya relation. Probleme ya relation. Probleme ya mgonjwa. Probleme ya mgonjwa. Jina lako. Jina lako. Haiko probleme. Haiko probleme. Jina lako. Jina lako. Ni solution. Ni solution. Katika shida yangu. Katika shida yangu. Katika probleme yangu. Katika probleme yangu. Nipe solution. Nipe solution. 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 Ita solution. Katika solution kutoka kwako. Oh Jesus. Katika shida ya kila mmoja na mmoja wetu jioni ya leo. Tumekuja kwa maombi. Bwana tupatie solution. Tupatie solution kwa problemu. Waliokuwa na problemu ya pesa, uwape solution. Waliokuwa na problemu ya mgonjwa, uwaponye. Waliokuwa problemu na relation ya kazi, Bwana uwaponye. Na ugariri makazi yao. Ugariri kazi ya kila mmoja kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila Kain. Kila Kain. Kila Kain. Kila Kain. Kila Kain. Kila Kain. Mtu wa roho mbaya. Mtu wa roho mbaya. Un blessé. Un blessé. Ana planifié. Ana planifié. Kuwa Abel. Kuwa Abel. Kila ana planifié mauaji. Kila ana planifié mauaji. Ndani ya jamaa yangu. Ndani ya jamaa yangu. Mauaji. Mauaji. Ndani ya kazi yangu. Ndani ya kazi yangu. Mauaji. Mauaji. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Kila ana planifié. Ana planifié. Mabaya. Mabaya. Makomplot. Makomplot. Mauaji. Mauaji. Échec. Kuanguka. Kuanguka. Kila planificateur. Planificateur. Ya mabaya. Mabaya. Ku maisha yangu. Maisha yangu. Leo. 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 Anguka. 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 Umanguche. Umanguche. Écoulé. Écoulé. Umanguche. Écoulé. Anguka. 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 Soit écoulé. Soit écoulé. Anguka. Kaé, tu es tombé. Kaé, tu es tombé. Tu es tombé au nom de Jésus. Planificateur des malheurs. Planificateur des morts, des meurtres. Planificateur des souffrances. Planificateur des complots. Anguka, 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 anguka. Anguka, anguka. Anguka, anguka. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir
l'amour de Dieu dans son cœur. Ressentez l'amour du Seigneur. Si tu étais rejeté par les hommes, mais Dieu t'aime. Dieu n'est pas en conflit contre toi. Dieu n'a pas de problème contre toi. Il t'a pardonné de ton péché. Et te demande de l'abandonner. L'amour de Dieu. C'est ma quoi jina la Yesu. Nimesikia upendo wako. Nasikia upendo wako. Ndani ya moyo wangu. Wewe ni upendo. Nimejisikia. Nasikia. Kama unaendelea kunipenda. Unisaidie. Nisirudi nyuma. Unisaidie. Nisirudi ndani ya dhambi. Unisaidie. Katika jina la Yesu. Seigneur. Arose maisha yangu. Arose maisha yangu ya maombi. Arose kazi ya mikono yangu. Arose watoto wangu. Arose jamaa yangu. Arose pesa yangu. Arose kanisa. Arose. Ninyunyizia maji. Oh Yesu, tunamwanga maji yako juu ya maisha yetu. Uwepo wa Roho Mtakatifu unataka uzima Baba. Katika Ezekieli imeandikwa ya kwamba mahali kote kwenye maji yalikuwa yanatoka kwenye madhabahu ilifika ileta uzima. Miti kaota mumudeze. Samaki ilikuwa inakufa ikafufuka tena. Yote ilikuwa inakufa ikafufuka tena Baba. Tunaarozea maisha yetu siku ya leo kwa uwezo wa damu ya Roho Mtakatifu ya Yesu. Kwa uwezo wa damu ya Yesu na kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana mabwana. Tunakushukuru Yesu, wewe ambaye ni mama na ngome yetu. Uwezaye kututengenezea maisha na kutuponya mavidonda vyetu katika jina la Yesu Kristo. Shangilia kwa makofi na vigelegele.